Et bonsoir, bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, et comment allez-vous? Bienvenue sur Souffle dans ta cartouche. Oui, prends ta cartouche de Sega Mega Drive. Souffle bien fort dessus. Implante-la dans ta Sega. Et redécouvre les jeux rétro. Non, ne fais pas ça. Viens sur notre chaîne et découvre les jeux rétro avec nous. Bienvenue dans Souffle sur ta cartouche, la chaîne des deux frangins sur des jeux rétro. Comment allez-vous? Alors, je pense qu'il n'y a personne pour l'instant, mais c'est pas grave, hein, je vais faire un monologue. Ce n'est point grave pour ceux qui regarderont rediff, il faut bien que je parle. Donc, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on recommence, enfin, on continue The Revenge of Shinobi, le jeu sorti en 1989, que j'ai déjà fait la dernière fois, mais j'avais pas sauvegardé. Et du coup là, bah, je vais le recommencer, et puis je vais faire les sauvegardes de la triche, comme vous avez pu voir dans le titre. Et j'espère que ça va très bien se passer, donc j'espère qu'il n'y a pas de problème de son pour l'instant. Tout a l'air bon, hein. Normalement vous devriez m'entendre. Dites-moi si le son est mauvais, si jamais il y a un problème, si ça sature ou ce n'est pas assez fort, n'hésitez pas à me le communiquer. Donc on va pas perdre pas plus de temps, le jeu. Pshu, pshu, pshu. Bim, bim, bim. Toujours à fond, hein, toujours à fond. Sinon, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à aller voir tous les autres lives, dont les lives de mon frère sur Super Mario Bros, Street of Rage, et puis là, il a commencé un jeu rétro plus récent, dans la chronologie du temps, qui est James Bond, Demain ne meurt jamais, qui était sur PS1. N'hésitez pas à aller voir, c'est le dernier live qui est apparu sur la chaîne. Un live qui fait son petit succès, donc n'hésitez pas à aller voir, on rigole bien, et puis c'est toujours marrant de voir mon frangin galérer. Et on va pas tarder à y aller. Bon, je mange un petit peu en attendant, s'il y a des personnes qui arrivent entre temps, vous m'excuserez, moi de toute façon, pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que pendant les lives, je n'ai aucune... Je mange et j'en ai rien à foutre, voilà, clairement. J'attends un petit peu, voir s'il y a du monde qui arrive. Ce serait bien que mon frère débarque, qu'il me dise comment je fasse... comment il faut faire pour que je puisse sauvegarder. Vous avez remarqué, là, j'ai décalé la webcam. Et je vais encore la décaler un peu. Parce que sinon vous voyez pas ma barre de vie en fait, et c'est problématique. Non, excusez-moi, je voulais pas faire ça. Non ! Je vais y arriver, vous inquiétez pas. C'est pas toujours simple. On va faire ça. Pour que vous voyez un minimum ma barre de vie. Ça, on s'en fout un peu les... Je vais encore décaler. Je vais peut-être réduire aussi, du coup. Voilà. Voilà. Je décale encore un peu. Bon, vous verrez pas ma barre de... Bon, écoutez, les shurikens, on s'en tape. Voilà. Bon, vous verrez pas toute ma barre de vie, mais c'est pas grave. Vous pourrez au moins voir quand je suis pas loin de mourir, c'est le principal. Et puis voilà. Bon, j'attends encore un peu, je mange. Attendez, je vous mets les images du jeu en attendant. Pipi, pipi, pipi. Pipi. Faut que je vérifie si vous entendez bien. Ouais, c'est bon, il y a le son du jeu aussi. Tout va bien.
tout va bien, tout va bien. Je mange un petit peu et puis après, on démarre. Ah, m'a répondu. D'accord. Bon, il va sûrement arriver dans le chat d'ici peu de temps. En tout cas, les décors de jeu sont très beaux. Hein. Pour un jeu de Mega Drive sorti en 89, il y a quand même un petit travail artistique sur les décors. Vous me voyez en train de manger, hein. Je suis pas le premier à faire ça sur internet, hein. Il y en a, ils percent juste en faisant des vidéos dégustation. Ça vous fait un petit peu d'ASMR en même temps avec la musique du jeu. Voilà, lisez, traduisez. Excusez-moi, j'ai trop la dalle. Trop la dalle. Donc voilà, mesdames, messieurs, qui arriveraient sur cette chaîne. Cette chaîne a été ouverte il y a un mois et demi, deux mois. On a 9 lives pour l'instant. Bon, on n'a pas beaucoup d'audience, mais c'est normal. De toute façon, quand vous débutez, l'audience vient petit à petit. Hein, et puis, il faut aussi faire du contenu. Et puis, c'est pas forcément le but principal. Mais voilà. Hein. Donc, pour l'instant, on vous fait des jeux. Moi, personnellement, mon frère a déjà passé sur PS1. Peut-être qu'il fera un petit retour en arrière, je ne sais pas, on fait au feeling. Mais moi pour l'instant je vais rester vraiment sur des jeux rétro. Beaucoup plus rétro du moins. Style Mega Drive, peut-être que des fois je monterai sur Nintendo 64. Mais pour l'instant ce sera Mega Drive. Pour l'instant The Rise of Shinobi. Je vous referai sûrement probablement aussi un petit peu de MotoGP pour essayer de voir si je peux m'améliorer. Et par contre, il y aura l'événement, ce sera Tintin au Tibet. Alors, Tintin au Tibet, je veux un maximum de monde. Donc, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et il ne faudra surtout pas rater Tintin au Tibet. Hein, parce que Tintin au Tibet, ça sera l'événement. C'est fort probable que je rage beaucoup sur Tintin au Tibet. Donc, ça se passe très bien aussi, mais c'était un jeu assez rageant, hein, je me souviens. Donc ça risque de bien rigoler sur Tintin au Tibet. Hello les souffleurs. Hello souffleur. Comment vas-tu mon frérot? J'ai vu ta réponse du coup. C'est nickel. Là j'attends un peu, je mange un peu, je discute. Je fais un petit monologue et puis après je m'y lance. C'est vrai qu'ils sont pas trop patients. Et bah écoutez, vous avancez un petit peu. Et puis voilà. Comment ça, mon cher frangin? Eh, ton live sur James Bond, attention, hein. Fonctionne bien, hein. Malgré les droits d'auteur. Bon, vous inquiétez pas, je vais bientôt commencer, ça fait déjà 10 minutes que je suis en train de bouffer. «
The Revenge of Shinobi. Ah, ça c'est le premier boss, ça. Ceux qui ont vu mon dernier live. Faut que je le batte aujourd'hui. Eh ben tranquillou. Tranquillou, il fait beau. Il fait pas trop chaud, il fait beau, on est bien là. On est bien, on est bien. Tu as vu que ta première vidéo a été commentée par un programmeur du jeu. Ah non. Sérieux? Sérieux, j'ai même pas vu. Tu lui as répondu? Attends. Excusez-moi, on commence bientôt. Un petit peu de patience dans ce monde de brut. Par un pro-gamer du jeu. Bah attends, je vais aller voir. Du coup, j'enlève le chat vite fait. Et je vais aller voir. Alors ouais, Bad Music 6321, merci pour ton commentaire si jamais tu reviens sur un de nos lives. Un grand 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 merci. Je l'ai tellement fait que maintenant j'arrive à le faire en Hardest en moins de 45 minutes. Au niveau du labyrinthe, je le connais par cœur. En plus, zéro difficulté pour moi. Il te faut t'entraîner si tu veux réussir sur jeu. Et bah merci beaucoup Bad Music 6321, merci beaucoup pour ton commentaire et puis tes informations. Oui, je me doute qu'il faut m'entraîner. Je sais pas si tu connais, si jamais tu vois ce live, Bad Music 6321. Je sais pas si tu connais Sekiro. Sekiro Shadow Die Twice, c'est un jeu beaucoup plus récent qui est sorti en 2019 et que j'ai fait sur une de mes anciennes chaînes que j'ai plus actuellement. Et ben moi je l'ai, du coup, ça me fait penser un peu à ça. Voilà, c'est juste une petite anecdote. En tout cas, merci pour ton commentaire et si tu reviens durant les lives, n'hésite pas à intervenir dans le chat. Un grand plaisir. Je te laisse lui répondre. Je lui répondrai plus tard. Là, je lui ai répondu en live, mais je lui répondrai aussi en commentaire, dès que j'aurai terminé le live. Ah, j'avais pas vu, du coup. Parce que, à mon avis, le commentaire, t'as dû le voir avant moi. Et du coup, il s'est effacé de la page d'accueil. Mais du coup, c'est-à-dire qu'il y a des pro-gamers sur ce jeu, hein. Ce n'est pas n'importe quel jeu, les amis. Ce n'est pas n'importe quel jeu. Bon, je mange une dernière tartine et puis après on y va. Désolé, j'ai trop faim, je sors de la salle de sport, c'est un petit peu normal. Merci de me l'avoir dit, en tout cas. Ça fait grave plaisir qu'il y ait des pro-gamers de jeux rétro. En tout cas, mec, Bad Music, tout mon respect, si tu le torches en 45 minutes, incroyable. Seulement incroyable. En fait, Bad Gamer, c'est le Nao de Revenge of Shinobi. Ce Nao, c'est Sekiro, et Bad Gamer, c'est Revenge of Shinobi. Bon, allez. Attends, je l'ai pas complètement fini. On y va. Vous inquiétez pas. Vous pourrez faire des mèmes de moi en train de manger si ça vous fait plaisir. Le Nao de Revenge, j'en suis oublié. Ah, mais c'est exactement ça en vrai. Au final, la comparaison entre ce jeu et Sekiro est totalement légitime. C'est vraiment, parce que du coup Sekiro, c'est le Revenge of Shinobi des temps modernes. Bon, je vais commencer parce que à ce rythme là
je finis ça et après je commence. Parce que sinon... Sinon, je vais faire un live, je vais parler pendant une heure. J'en suis capable, en plus c'est ça le pire, quoi. Bon, sinon demain... la suite sur James Bond, peut-être, hein. Je laisse mon frère confirmer dans le chat, mais peut-être la suite sur James Bond, demain ne meurt jamais. La suite est fin, peut-être, hein. Qui sait s'il avance bien. Ça a mieux. Là, ça a beaucoup mieux, là. Oui, suite et fin. Et ben demain, rendez-vous pour la suite sur James Bond 007. Demain ne meurt jamais. Bon, est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image, le son, tout va bien? C'est vrai que t'as le docteur Kaufman à vaincre, hein. Il faudra peut-être trouver le moyen de pouvoir prendre les soins que t'as vu là. Sinon, retente la mission en off, et puis essaye de choper les soins. Mais tu meurs. Là, je rigole. Elliot Carver, c'est traître. Allez, on commence. Alors ouais, t'étais pas là, mais du coup je disais que j'ai déplacé, au début du live, j'ai déplacé la webcam et le téléviseur, comme ça vous voyez un petit peu ma barre de vie, du coup vous verrez plus les shurikens, mais vous verrez ma barre de vie. Achilles. Bonsoir, alors ça mange des protéines ou bien... Qui c'est ce Achilles là? Je pense qu'il faudrait le bannir ce gars là. Bah oui, ça mange d'Achilles. Oh, mais pas d'Achilles, des protéines, pardon. Comment vas-tu mon cher Achilles? Moi je sais qui c'est Achilles, attention. Je sais qui c'est, hein. Mais je ne vous le dévoilerai pas. Comment ça va depuis tout à l'heure? Y'a mon frangin qui te salue. Est-ce que tu manges des protéines toi aussi? Ah non, pas de ban, pitié. Y'a que moi qui peux te bannir de toute façon, on n'a pas encore de modérateur. Et heureusement, parce que là-haut, si je l'aurais mis modérateur, même si c'était pour rire, il t'aurait banni. C'est qui? Ah ah! Je te le dirai en off. Et puis, il peut te le dire lui-même. Hein. Bonjour, frangin. Bon, j'ai utilisé mon pouvoir comme un débile. Bon, c'est la partie d'échauffe, hein. C'est la game d'échauffe. Ne vous inquiétez pas. Il faut que je me remette dedans, hein. Même si ça se passait bien à la fois la dernière fois. À la fin la dernière fois. Ouais, un minimum que je m'en mette dedans. Attends, j'ai la méthode. C'est l'échauffe, hein, c'est l'échauffe, vous inquiétez pas. Ouais, je mange des protes, t'inquiète pas, je me motive de fou, mais là, j'ai pas grande faim, je t'avoue, MDR. Oh. Ah bah essaye d'avoir faim, je sais pas. Je suis un collègue. Ouais,
C'est un collègue à moi. Fais la technique, bon sang. Je m'en rappelle plus. Est-ce que tu peux me la rappeler Parce que je m'en souviens plus. Mais c'est là c'est la game des chauffes, hein, de toute façon. Je vais pas sauvegarder ça, vous inquiétez pas. Tu passes derrière en sautant rapidement. Ah ouais, mais c'est chaud. C'est chaud. Enchanté de même. Sérieux, t'as toujours pas faim, Aquilus? Bon, je t'appelle par ton pseudo, hein. Ça va exploser. Heureusement que c'est la partie de chauffe, c'est nimp. Ouais, heureusement. Attends, tu m'as dit, tu passes derrière en sautant rapidement. Ah, mais c'est tendu. Oui, c'est pas retourné. Yes. Ça y est, je vais pouvoir les défoncer. Oh là 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 là, le coup de katana. Oh là 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 là, je leur mets la pâtée. C'est la violence. C'est la violence. Tu peux m'appeler Rémi, t'inquiète, je m'en fous. Bah voilà, bah du coup, frérot, tu sais qui c'est Aquilus maintenant. C'est Rémi Gaillard. Ah, vous ne savez pas, mais je connais Rémi Gaillard. Non, c'est pas vrai. Arrêtez. Ne croyez pas à ces conneries. Ah ouais, non mais ça marche trop bien du coup cette technique là. Ça va tout changer à ma partie là. Pépé, pépé. Oh là 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 là, le toutou. Bon, sinon t'attends une petite demi-heure et puis la fin va venir. Rémi. Détends-toi. Calme, relax. Tu vas économiser tes shurikens. Ouais, non, mais de ouf, hein. De ouf, elle est incroyable cette technique. Mais tu l'as trouvé comment du coup? Bon, après la dernière fois j'avais quand même trouvé une technique en arrivant sur le deuxième niveau. Bon, c'est pas la meilleure des techniques, mais c'était quand même une technique. Ouais, parce qu'en fait ils mettent du temps à se retourner, du coup faut en profiter. Faut être vif par contre. Ah ouais. Non, là c'est un explosif. Mais le truc en fait, vu que c'était une partie... Non mais faut que je meure, je vais me suicider. Désolé, je vais me suicider parce qu'en fait j'ai utilisé une vie et faut que j'essaye de garder le maximum de vie pour le boss final. Donc je me suicide. En tout cas j'ai pris ta tête en gros blanc pour montrer au collègue. Oh l'enflure. Oh l'enfoiré. Je sais pas si je dois te croire du coup. Du coup, après, les collègues ils vont venir dans les lives. Je sais même pas imaginer en vrai. Je t'avais mis un com sur la dernière vidéo. En fait, c'était dans la vidéo de présentation quand t'es dans le menu. D'accord. Oui, le commentaire, je l'ai vu. Mais attendez, je me suicide encore une fois. Allez, défonce-moi. Le commentaire, je l'ai vu.
cette fois-ci, on va recommencer proprement. Et on va essayer de garder le plus de vie possible pour atteindre le boss. Et se mettre bien devant le boss. Par contre, maintenant, je suis chaud quand même. Hein. Enfin, je suis chaud. C'est un grand mot. Je m'améliore. Par contre, faut que j'arrive à maîtriser les esquives. Il n'y en a pas un qui était passé derrière moi. Allez! Allez! Oui! Oh là 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 là! Voilà, ça touche! Allez, on récupère un power. Parfait. Parfait. Ça touche! Ça touche! Ça esquive en plus! Oh là là! En plus, si tu passes bien derrière et à rester, tu restes proche d'eux, tu leur mets un coup de katana direct, ça les sauce direct. Hein. Moyen la run, sérieux! Oh! Dit-il! Le monsieur qui fait des sauvegardes de la triche sur Mario! Remarque, je vais faire la même chose là. Mais c'est parce que je vais pas. En même temps, je peux pas vous faire tout le jeu en live. Je le finis pas en 45 minutes, moi, le jeu. Non, faut que j'aille en haut. Oh là 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 là. Bon. Tu joues avec une manette? Oui, je joue avec une manette, Rémi. Tu préférerais que je joue avec le clavier? Tu te prends tous les shurikens, noob. Oh là 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 là. Oh là là. Ça clash, je prends des dégâts ou deux, ça clash. Oh là là là, j'imagine pas si je prends plein de dégâts. Prends pas le seum, frérot, je suis trop fort. Non, c'est vrai que ça pourrait être mieux en vrai. Mais c'est que je suis pas trop concentré, je parle et tout. Je suis pas concentré à 100%. Par contre, les chiens, je me les bouffe. Hein. Ah ouais. Yeah. Ouf. Ce serait bien que je puisse choper de la vie. Oui. Non. Non. Oui. Oui, vas-y, on se casse, c'est pas grave. Cassos. Clavier souris, ça m'aurait paru compliqué. Ouais, de ouf. C'est pas possible. Enfin, si, peut-être, mais jamais testé, donc. Je crois que t'as un double saut. Soit tu appuies deux fois, ou tu appuies sur la flèche du haut quand tu sautes. Sérieux? Non. Non, pas de double saut. Par contre, j'ai le pouvoir qui fait sauter plus haut. Oui, là. Ça, c'est bien, ça, quand je suis en bas, là. Hop, voilà. Un petit shuriken dans le pied. Il succombe à ça. Ah, merde! J'aurais pas dû la prendre, celle-là. Alors, pour l'instant, j'ai pas fait de sauvegarde de la triche. Je la ferai sûrement après le boss final, ou juste avant. Merde. Ah oh, putain, ça c'est débile ça, de se prendre un dégât comme ça là. Bon, on n'a pas notre cher Nao ce soir. Il doit être occupé à faire des runs sur Dark Souls.
Et bah moi, tu sais ce que j'ai acheté tout à l'heure, Rémi, j'ai presque tout bouffé déjà. Je suis sorti de la douche. J'ai pris le pain bûcheron là. J'ai mis presque toutes les tranches. Hein. Et j'ai tout bouffé en début de live, hein, quasiment. La pression. C'est pas grave, j'ai 3 vies, vas-y, c'est pas grave, on s'en fout. Ah, j'ai vu, je t'ai pris en photo pendant que tu bouffais. Oh non. Ah, je parie que tu l'as vraiment fait en plus. C'est pas grave, j'assume. C'est pas grave, j'ai perdu une vie, mais c'est pas grave. Du coup, le double saut, frérot, c'est ça. C'est un pouvoir, en fait. Après, peut-être que plus tard, je pourrais faire un double saut. Mais là, en appuyant 2 fois, je peux pas. Fais voir si j'appuie en haut. Ah, attends. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Malheureusement. Oh là là, c'est inesquivable là, quoi. Ils en envoient plein d'un coup. Et du coup, Aquilus, tu connais ce jeu ou pas? Enfin. Je vais t'appeler par ton pseudo et par ton prénom. Faut pas m'en vouloir. Bim. Headshot. Par contre, j'ai complètement raté le power. Mais j'ai encore 3 vies. C'est cool ça. Non, faut passer par en dessous, c'est vrai. C'est vrai, en dessous, va falloir que je rush. Mais quel débile! Faut que je bute le premier. Ah non, te lève pas! Oh là là, le débile! Faut toujours que je bute le premier parce que sinon, il m'empêche d'avancer. Ah, c'est chaud là, c'est chaud, je suis un peu coincé. Ouh là 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 là, j'ai bien géré. Hein. Alors c'est qui le noob? Le noob qui meurt à cause d'un truc, à cause d'un bambou à la con, putain. Putain, mais c'est quoi ces bambous là? Les bons. Tu touches un bambou, tu meurs quoi. Alors que j'avais super bien géré. Hein. Mais là, c'est bon, il y a un power là. Enfin, une vie en plus donc. Je vous lis après, hein, vous inquiétez pas. Là, c'est concentration au max. Par contre, je sais pas du coup si je change de niveau après un boss, si je garde la vie que j'ai, ou si elle se renouvelle, je ne sais pas du tout. On le découvrira tout à l'heure. Du réflexe.
C'est comme Sekiro, hein, faut avoir du réflexe. Là, je vais la bouffer. C'est pas grave. Mais non! Mais arrête! Arrête de sauter sur les bambous! Putain, incroyable ces bambous! Ça, c'est le genre de truc, je trouve ça débile, quoi. Les développeurs, ils se sont dit, ouais... ouais, les ennemis, ça suffira pas. Du coup, on va utiliser des bambous dans le décor. Les bambous, ça lui fera des dégâts. Ils ont vraiment dit ça, les développeurs. C'est des bambous, ça, hein. Confirmez-moi. J'ai resté le pire ennemi du jeu, ça va être les bambous. Allez, on gère le timing. Ah là là, non, on va pas gérer le timing du tout. Voilà, lui on s'en occupe, comme ça on prend de l'avance. Oh là là, non, c'était pas le bon moment. Là peut-être. Oh non, pas encore. Ah là, c'est chaud, hein. Comment j'avais fait la dernière fois? Bon, je prends le temps de vous lire. Non, je connais pas. C'est quoi l'objectif et l'histoire du jeu? L'histoire... Oh bah, doit y avoir un conflit entre les shinobi et une autre faction japonaise. Après, j'ai pas encore pris le temps de lire le début, faudrait que je traduise pour que je puisse vous l'expliquer la prochaine fois. Et l'objectif, bah écoute, c'est déjà de réussir à terminer le jeu en vrai. Nous, ah bah sympa frérot, sympa les encouragements. En fait, j'ai vu une éclipse solaire complète, c'était malade, sérieux. À Montréal. À Montréal, mon chum. T'es au Canada. C'est bien du bambou, je confirme. Bon bah, putain, les bambous, quoi. Oh là là, et puis là, faut que je les passe. Il me reste deux barres de vie. Yes, au Québec. Mon chum. Bon, stylé, ça. Grave, c'est incroyable comme expérience. L'histoire, c'est rétablir la paix dans la galaxie. Ouais, on va rencontrer Yoda à la fin du jeu. Par contre là, non mais faut que je parte d'en haut, je suis débile. Je suis débile, putain. Je pars d'en haut et faut que j'y aille quand les deux sont en bas. J'avais réussi la dernière fois en plus, hein. Les amis, j'ai la pression ultime en vrai, là. Oh, cette pression, putain de merde. Je sais pas comment... Oh oui. Oh merci. Wouah! Barre-toi! Barre-toi! Oui! Ah. Oh, merci, merci. Merci. La sauvegarde! Alors là, je suis invincible. Normalement, je suis invincible. Il peut rien me faire. Je suis plus invincible. Bon, on va attendre que le pouvoir se régénère. Oh la machine. Même là t'arrives à m'appeler la machine. C'est toi la machine.
En fait, c'est ça, il faut juste se mettre bien à droite. Sur les plateformes. Attendez, je vais changer de power. Ah, je peux pas changer parce qu'il est pas rechargé. GG, merci, merci. Il est pas fort qu'à la muscu, mais au jeu rétro, incroyable. C'est... Au jeu rétro, ça dépend lesquels. Hein. Parce que quand un Tao Tibé va arriver, ça a piqué. Hein. Ça risque fort de rager. Hein. Mais très très fort, hein. Je vous préviens d'avance. Soyez prêts. Hein. Soyez prêts à ce qu'il n'y ait pas trop de monde autour de vous. Qui se pose pas la question, mais c'est qui ce mec qui crie à travers ton écran, ton téléphone, ta télé ou ta tablette? Parce que, si je sais pas, par exemple, vous êtes jeune, vous avez 15-16 ans et vous me regardez en live sur Tintin au Tibet, s'il y a votre mère ou vos parents à côté ou un proche à côté, il va se poser la question, mais c'est qui ce mec? Pourquoi il crie? Eh ben vous aurez qu'à jouer à Tintin au Tibet, vous comprendrez. Je pense que c'est la même technique que pour les pieds avec les sables. Ouais, probablement, ouais. Après, je vais tester là, je vais sauter par-dessus. Et puis on va voir à quelle vitesse il se retourne. J'ai déjà joué à Tintin au Tibet, je confirme, c'est un enfer. Et ben, ça arrivera sur la chaîne, Rémi. Ça sera probablement même le prochain jeu que je ferai après The Revenge of Shinobi. Et là, là, ça va fortement rager en vrai. Allez, j'essaye de sauter par-dessus. Voir ce que ça donne. Ah, c'est tendu, il se retourne beaucoup plus vite quand même. Hein. Je sais pas si mes powers se régénèrent. La dernière fois, je sais que j'avais pu utiliser deux fois. Hein. Allez, on fait des squats. Non, des fentes. Regardez-moi cette rapidité. Bon. Et bah, si tu connais Tintin au Tibet, déjà, ça me rassure. Mon frère connaît aussi. Et probablement, beaucoup de monde connaît Tintin au Tibet. Au moins faut que je me prépare pour vivre un enfer aussi. Et oui, de par JDG, ouais, JDG il en avait parlé Tintin au Tibet. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui connaissait pas et qui a peut-être essayé de jouer au jeu justement après JDG. Mais JDG, JDG il rage, c'est un truc de ouf. Mais moi ça risque d'être pareil en vrai. Hein. Sauf que lui, JDG, lui, il te sort les punchlines direct. En fait, la technique, c'est juste de lui envoyer des projectiles dans la tête en restant à distance. C'est tendu quand même. Allez, tu vois, dès que je saute derrière... Franchement, faut trouver le timing idéal. Hein. Quand tu baisses son sable, tu sautes et tires. Ouais, mais le truc, c'est que, en fait, faut que je sois à la distance quasi parfaite pour pas prendre de dégâts et pour pouvoir le toucher, en fait. Parce que si je me mets trop loin, il va pas mettre un coup de sabre. Et si je me mets trop près, bah je vais bouffer un coup de sabre. C'est compliqué. On va voir si les pouvoirs reviennent. Bon après il me reste quand même 3 vies quoi.
Putain, le mec a pas envie de mourir, quoi. Il bouge pas. Voilà. Essaye, tu as sauvegardé, Osef. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On est d'accord. Le mec a trop peur, de toujours tout recommencer et tout. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est bon. Ah ouais, ouais, c'est bon, j'ai compris. Ah bah là, faut que je passe derrière. Ah, j'ai compris, hein, mais c'est tendu en fait. Faut pas se retrouver bloqué dans le coin. Ah ouais, ouais. Je pense avoir compris. Mais franchement compliqué. Compliqué. Et comment tu sais que c'est comme ça du coup, frangin? Mais c'est quoi ce samouraï de 15 mètres de haut? Son sabre fait deux fois ta taille. Non mais c'est clair, c'est clair. En gros mon personnage, si on veut rester réaliste, mon personnage il fait 1m50 quoi. Et le samouraï on pourrait dire qu'il fait 2 mètres. Je fais comment pour charger la sauvegarde? Ah voilà, tout va bien, tout va bien. Oh les sauvegardes de la triche! Oh là 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 là! Ça va m'en vouloir là, ça va m'en vouloir. En fait, si tu t'écartes, il va te suivre. Il faut que tu essayes de rester au milieu de la map, à la même place. Il continuera de te frapper sans bouger. Et tu l'enchaînes. On va tester. Sans bouger. Mais ouais, mais je bouge comme un débilus. C'est tendu. Non mais c'est chaud en vrai. Oh, sauvegarde. Tu me déçois, je te savais pas tricheur comme ça. Ah non mais là sur la chaîne ça va être sur beaucoup de jeux comme ça. C'est parce que en fait j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de finir le jeu en un seul live. Donc forcément va falloir faire des sauvegardes. Des sauvegardes de la triche. C'est complètement assumé. Pour reprendre la prochaine fois là où on s'arrête. Parce que vu que sur les vieux jeux malheureusement tu ne pouvais pas sauvegarder, il fallait rusher le jeu. On n'a pas le choix. Saute sans avancer, n'avance pas. C'est chaud en vrai, hein. C'est chaud, hein. On a rien vu, c'est rien passé. Non, en vrai, c'est tendu, hein.
te mets dans la merde en montant sur le mur, en fait. Dans la merde en montant sur le mur, je pense. En fait, quand tu as réussi à le toucher, j'ai l'impression qu'il faut que tu recules pour éviter son sabre. Ouais, c'est, je pense que c'est ça, mais faut être ultra rapide en vrai. Faut être ultra ultra rapide. Hein. Ouais, non, sois pas déçu, mon cher Rémi. Ah ouais, tu m'as... Ah ouais. Ouais, tu m'as réellement pris en photo en train de bouffer, en fait. Je viens de voir que tu me l'avais envoyé par message. Oh là là, le dossier. Mais c'est bien, ça. Merci, Rémi. Je pourrais m'en servir pour faire une... Pour faire une miniature. En fait, faut que je fasse ça. Mais... Je fasse un petit saut en arrière, que je me retourne et pfff, que je tire dans la tête. Voilà, là, 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 je l'ai touché. Vous avez vu, je l'ai touché. Ah non! Ils ont regardé la triche! Ils ont regardé la ch... C'est tendu, hein. En fait, faut que je gère mon atterrissage, quoi. Là, je souris parce que j'ai entrevu le commentaire de Rémi. Et je me dis, je sais pas si je dois le croire ou pas. Je lis après, hein, je lis après. Faut que j'essaye de le vaincre. Ouais, j'ai du mal, hein. À chaque fois je ratterris sur le sabre. Mais je pense que deux coups de shuriken et un power, ou trois coups de shuriken maximum et un power, je peux le vaincre. Mais attends. Est-ce qu'il me touche? Si je suis là, il me touche, ouais. Ou est-ce qu'il y a des angles morts? Attendez, je vous lis parce que ça a l'air drôle. T'es pas beau en photo, là? Pas vraiment, je suis pas très frais. Hein. Mais c'est pas grave, ça pourra servir sur une miniature. Chantal, elle va passer sur le live un soir, t'inquiète, après avoir vu ça. Alors là, y'a personne qui comprend. Y'a que moi et Rémi qui peuvent comprendre. Mon frère, je t'expliquerai un jour, tu comprendras. Mais sinon, personne peut comprendre. Mais c'est drôle, c'est drôle. Eh ben, Chantal, si un jour tu passes, et si un jour tu regardes cette rediffusion, bienvenue à toi, ma chère Chantal. Sinon, il faut que tu tires en bas pour l'obliger à baisser son sabre et tu tires directement en sautant. Oh la Chantal. Non, elle est super gentille, Chantal. Elle est super gentille. En vrai, si elle passe, avec grand plaisir. Mais du coup, Rémi, je sais pas si je peux te faire confiance ou pas. Il a uniquement un point faible sur la tête, le boss. Ouais, apparemment. Ouais. Et du coup, je vais. La technique que tu viens de dire, frérot, je sais pas. Hein. Franchement, c'est tendu. Hein.
Ah. Ouais, il a un point faible que sur la tête, le boss, du coup. Je réfléchis, hein. Excusez-moi, je réfléchis. En fait, il n'y a aucun moyen de sauter plus loin. Il se retourne super vite. Là, ça n'a rien fait, là. C'est au pixel près, hein. C'est au pixel près qu'il faut le toucher. En vrai, entre nous, Chantal, ça m'étonnerait qu'elle passe sur le live. À moins qu'elle soit, très forte en technologie, hein, je sais pas, hein, je connais pas assez encore. Et Rémi, arrête-toi parce que je pourrais parler d'autre chose. Hein. Ah, il s'était pas retourné là. Ouais, je pourrais citer un autre blaze. Hein. Non, t'inquiète, je la montrerai pas la photo. Oh, tu peux la montrer, hein. Tu sais, j'assume tout, hein. À partir du moment, de toute façon, où je m'affiche sur internet, faut tout assumer après. Hein. Et accroupi, tu te prends quand même le coup de sabre. Ouais, je le bouffe quand même, ouais. Tire en bas quand il est loin de toi, puis enchaîne sur la tête direct. Ah ouais, je peux essayer ça, ça peut être une technique. Hein. Mais non, Chantal, elle n'y connaît rien. Elle en a pas de compte. Ouais, elle doit simplement avoir un compte... par rapport au boulot. Ah non, tais-toi, ouais, ça fait moins le fier maintenant. Non, il s'en tape. Il s'en tape, il a les genouillères, il n'en a rien à péter. En fait, faut que j'arrive à l'avoir 3 fois. Tout à l'heure, j'ai réussi à l'avoir 2 fois. En fait, faut que j'arrive à l'avoir 3 fois. Même si je prends du dégât. Et logiquement, après, avec un power, je peux en finir avec lui. Mais c'est débile que si je saute sur son sabre, normalement, je devrais écraser son sabre. Après, j'ai pas sauvegardé... avec la meilleure des vies, malheureusement. Attendez, comment je fais? Ah, c'est bon, c'est bon. J'ai compris comment je pouvais le toucher. Maintenant, il suffit d'appliquer. Bon, c'est pas grave. Si je perds une vie, c'est pas grave. On s'en fout. J'en récupérerai une plus tard. Ah, j'arrive à le faire une fois, mais après j'arrive pas. Ah, salaud! Salaud! Je me suis pété le doigt, putain. Je sais pas si vous avez écouté le bruit, je me suis explosé le doigt. Ah, mais j'y arrive plus là. En fait, faut que je fasse un petit saut.
pour sauter au niveau de sa tête et pshh, direct, tu vois. Mais j'arrive plus. Ah voilà. Ah non, faut que je maintienne bas et faut que je saute. Faut pas que je saute et que après j'appuie sur bas. Oh là là! Mais c'est quoi avec ces jeux qu'ils faisaient à l'époque, bordel! Non, le jeu est bien, c'est vraiment que je suis nul. Hein. Putain, mais la dernière fois en plus, j'avais réussi quoi! Bon, est-ce que j'utilise un power et j'attends qu'il y en ait un deuxième qui réapparaisse? Hein. Je pense qu'on va devoir finir comme ça, malheureusement. J'ai juste un seul type de saut ou alors un saut plus court. Ouais, j'ai un saut plus court. Si je maintiens bas et j'appuie sur sauter, je saute beaucoup plus bas. Mais c'est difficile à gérer, j'ai du mal à gérer. Si tu as un saut plus court, tu peux peut-être t'aligner sur le rythme du sabre. Ouais, c'est tendu. Hein. Franchement, c'est tendu quoi. Peut-être, hein, mais j'ai du mal à voir quand même. J'allais voir une vidéo. Il va me donner la solution. Tu marches vers lui pour qu'il lance le sabre. Tu reviens en arrière puis tu sautes pour atteindre la tête. Ouais, c'est ça. Hein. Mais c'est tendu. Hein. C'est... Franchement, c'est dur. Hein. Tout ça très rapidement. Ouais, ça a l'air grave chaud. Ah, de ouf. De ouf. Mais tu dois rester au max au milieu de la map. Entraîne-toi à éviter son sabre juste en marchant. Une fois, ça sera bon. J'arrive à mémoriser les touches. Mais laisse-moi passer au milieu! Putain, il me laisse pas passer là! Regarde, il est trop grand! Qu'est-ce que tu veux faire? Petit moment de rage. Putain! Le truc, ça va trop vite, tu te retrouves trop vite bloqué dans un coin en fait. Oh! C'est la première fois. Non, en fait. D'accord. En fait, faut que je fasse. En fait, les sauts, j'ai pas besoin d'appuyer sur. La flèche du bas. En fait, j'appuie juste sur B, ça fait un petit saut. Et si je maintiens B, je fais un grand saut du coup. Ah non, mais faut vraiment au timing près. Hein. Au timing près, me retourner, sauter et lui mettre dans la tête. Hein. Yeah. Attendez, qu'est-ce que je vais faire? Attendez. On va peut-être y arriver. Hein. On va peut-être y arriver à force. Je vais rester à l'envers. Oh là là, c'est la merde. Bon, écoute. Écoute. Bouffe ça. Tiens, mange.
Non. Yeah. Ouf. La pression. Putain, ça me rappelle Sekiro, ça. Yeah, non. Vous devez vous fendre la gueule derrière votre écran. Tu dois rester au max au milieu de la map. Entends-toi juste en marchant une fois, ce sera bon. Ah, le rageux, il est là. Ouais, un petit peu là. Je commence à rager. Ouais, ça y est, t'as la bonne strat. Je pense, hein. Je pense que j'ai la bonne strat. Et c'est mieux d'utiliser le power au début, en fait. Si j'arrive à changer. Ah, voilà. La dernière fois, j'ai eu de la chance, hein. J'ai attendu assez longtemps et le power, il est réapparu. Attends, il faut que je repasse de l'autre côté. Faut que j'essaye le plus possible de rester au milieu, mais le truc, c'est qu'il vient vers toi très très vite, hein. Ça, ça ne fait pas plaisir. Hein. Ah, ça leur fait reculer, hein. Ah, mince, dommage. Oh non. Mais non. Ça va le faire. Putain, la dernière fois j'avais réussi en plus, quoi. Là je galère. Oh non, je suis persuadé, un shuriken et il y restait. What? Ah! Ah, je l'ai plus. Est-ce que vous voyez mon visage en train de changer en vrai?
Ouais, bonne technique, juste question de timing. Ouais, de ouf, mais c'est tendu. Hein. Il vient parce que tu vas vers les bords. Ah ouais? Si je reste au milieu, il vient pas. Je comprends mieux pourquoi t'es énervé les matins au taf. Ah, demain, je vais être vénère au boulot. Hein. Si j'arrive pas à le battre, là, si je quitte le live et j'arrive pas à le battre... Oh putain que je vais être vénère. Non, non, je rigole. Non, mais Rémi, tu sais pourquoi j'étais agacé mardi, tu sais pourquoi. Non, demain, c'est le dernier jour au week-end. Ça va bien se passer. Ouais, je te taquine, MDR, salon. Ah, le salon est taquine. Est-ce que t'as la dalle, là, maintenant là? Est-ce que t'as réussi à trouver la fin? Non, mais non, j'y étais presque. Du coup, je lui ai en limite 3, mais ça l'a pas tué, hein. Même, comment tu restes au milieu? Franchement, je sais pas. C'est compliqué parce que dès que tu sautes un peu, tu te décales. Et bah forcément il va venir quoi. Et vu que tu peux pas sauter par dessus à part si tu montes sur les murs. Quand même en vrai, j'ai juste mal au ventre quoi, en même temps journée complète et trop de stress, ça fait pas du bien. Ouais je comprends. Bah, c'est autre chose. Bah franchement j'ai du mal hein. Il faut vraiment bien estimer la distance de frappe dans son sens pour éviter de trop se décaler. Je te crois, frérot. Je te crois, t'inquiète pas, frérot. Mais c'est pas si facile que ça. Là, je vais arriver. C'est juste que c'est vraiment pas simple, hein. Je fais comme la dernière fois, hein, j'attends et puis le power il va réapparaître. Hein. Puis on le termine comme ça. Hein. Bon bah je vais manger mes deux dernières tartines en attendant. Si le power il réapparaît pas, bah écoutez, j'essaierai de l'affronter. Hein. Pas de musique. Si
tu passes sur ce live, toutes mes excuses. Ouais, je suis nul, je sais, je sais. Et allez, regardez-le, ce morphal. Bah mec, au moins, moi, j'ai de l'énergie pour pousser, hein. Bon, c'est pas que t'en as pas, mais t'en as moins. Mais tu manges pas assez. Le power a pas l'air de revenir. Ouais, c'est vrai. On se fait chier. Ah bah désolé hein. Regardez ma sale gueule, vous ferez plus chier. Ça ira mieux. Regardez, regardez ce que je mange. Bah c'est bizarre. L'autre qui donne des coups de sable comme si c'était sa trick. Oh, tout de suite. Le power ne reviendra pas à mon avis. Bah c'est bizarre, la dernière fois il était revenu hein. Il était revenu hein, c'est... je sais pas. Mais c'est peut-être du coup j'en avais deux. Et là je l'avais pas utilisé, enfin j'en avais deux que j'avais pas utilisé jusqu'au boss du coup. Bon. Oh là là, mais en plus il m'enlève deux barres de vie quoi, il fait mal. J'ai mal, enfoiré. En fait, sur ce jeu, c'est les boss, quoi. C'est les boss qui vont être très compliqués. Ah mais attendez! Attendez, il y a peut-être un moyen, du coup. Attendez. J'ai une idée. Enfin, on va tester, on va voir ce que ça donne. Du coup, il y a peut-être une méthode, hein. On se rapproche le plus possible. Oui! Oui! C'était tout simple en fait! Bon, sauvegarde. Voilà. Sauvegarde. Non, c'est pas ce que je voulais faire, pardon. Sauvegarde. Et voilà. Et la prochaine fois, on reprendra ici. En fait, c'était tout simple, fallait juste utiliser le pouvoir d'invincibilité. Et fallait le spammer, en vrai. Fallait le défoncer au corps à corps, tu vois. Tu vois, là, il avait bien la pression, reculé de ouf. Et bam! Lol, oh mon dieu, il l'a fait. Oui! C'est tout!
C'est tout, c'est-à-dire le live ou pour le vaincre? Oui, le live, je vais couper, ça fait déjà 1h30. Malheureusement, j'aurais bien voulu plus avancer, mais ça fait déjà 1h30, donc... Par contre, je suis débile! Oh, le débile! J'ai sauvegardé avec 0! Attendez. Attendez. Et je peux pas retourner. Je peux pas retrouver mon ancienne sauvegarde. Non. Ah là là, le fiasco MDR. Ah bah attends, ça fait déjà 1h30, faut que j'aille manger là. Attends. Et puis après, ça fait des lives trop longs. C'est trop long pour les gens. Oh non, il va encore tricher, je le sens. Alors, j'ai juste fait une sauvegarde en fait, pour éviter de recommencer le jeu à chaque fois. Non, tu la délètes en sauvegardant ici. Bah c'est pas grave. Écoutez, bah... On reprendra à 0, hein. On espérait que ça se passera bien. Ou sinon, je recommencerai, hein. Sinon, peut-être que... Ouais, peut-être qu'en off, je vais recommencer et essayer de faire une sauvegarde à 2 ou à 3. Refais le jeu du début, sinon. Pour la prochaine fois. Je sais pas, je vais voir. Mais si la prochaine fois je le refais du début quand même, faut que je rush le début quoi. Parce que je veux pas passer tous mes lives sur ce jeu à faire le premier niveau quoi. Non, tu l'as délaissé en sauvegardant ici. Je parlais pas de ça pour le fiasco. De quoi je suis perdu. Du coup, tu parlais de quoi pour le fiasco? La sauvegarde. Ah bah J'avoue. Hein. J'avoue. Je l'ai mis dans le titre. Vous êtes prévenus. Ah ouais, hein, frérot. Ah, sur Mario Bros. Hein. C'était pas dans le titre, hein. C'était... Oh ouais, mais attendez, je vais faire une petite sauvegarde pour éviter de recommencer. Hein? Allez sur les lives de mon frère. Là, allez voir tous les autres lives faits par mon frère et faits par moi-même, le live qu'on a fait nous deux aussi, si jamais vous tombez sur cette chaîne. En tout cas, pour ce soir, j'arrête là. Merci à mon cher frérot d'avoir été présent. Demain, retrouvez le live, la suite sur 007 James Bond. Demain, ne meurs jamais. Et sinon, moi, vous me retrouverez dimanche. Il y aura probablement un live en duo avec mon frère. On sera tous les deux sur le live. Et on ne sait pas encore, on verra, on en parlera. On ne sait pas encore sur quoi on diffusera, soit peut-être sur... Peut-être sur Revenge of Shinobi ou la suite de 007. Ça dépend où ça en est demain pour mon frère. Sinon, n'hésitez pas à voir le reste du contenu, à lâcher un pouce bleu si vous aimez et à vous abonner aussi. Et je remercie aussi Rémi d'avoir été présent, alias Aquilus dans le chat, de m'avoir bien clashé. Hein? Hein? T'inquiète pas, ça se payera ça. Non, merci beaucoup d'avoir été présent. Et puis, pour tous ceux qui regardent en rediff, je vous souhaite une excellente soirée et un excellent moment. Eh bien, merci messieurs, ça m'a bien occupé l'esprit, j'en avais besoin. Bonne soirée tout le monde. Je t'en prie, Rémi. Je t'en prie, et puis t'inquiète, trouve faim, dors bien, passe à autre chose. Tu sais de quoi je parle. Il faut pas ressasser. Voilà. Il faut changer les idées et il faut avancer.
comme ça qu'on devient un vrai bonhomme. Bon, merci à vos frérots, merci à Rémi, et puis merci à tous ceux qui regarderont en rediff. Pouce bleu, partage, abonnement, commentaire, et puis n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Sinon, demain, live, je ne sais pas à quelle heure, peut-être vers 7h-ci, 7h française, fait par mon frère sur 007, demain ne meurt jamais. Ciao, bye bye, ciao, 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 ciao. J'ai des ricomoques dégueulasses. M'excuserai, j'ai chié dans la colle pour le générique, hein, de fin. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent.